Hop, bonjour la VOD. Comment ça va la VOD? Un peu plus fort quoi, le jeu ou un peu plus fort moi, du coup? Parce que moi, ça va être compliqué, je peux baisser un peu le jeu. Quoique je peux me mettre du gain, mais c'est jamais très bon de mettre du gain. N'hésite pas à me dire ce qui doit être un peu plus fort. Parce que moi, je me rends pas compte, j'ai pas de retour là. Il me manque un retour en fait, il me manque le retour du son du jeu par rapport à ma voix. Ça, je l'ai pas. Alors on va reprendre, sachant que notre ami Axel s'était fait déglinguer par l'alien. Du coup... Ah non, c'est bon, bon bah tant mieux. C'est tant mieux, tant mieux. Donc notre ami Axel s'était fait déglinguer. Et je sais déjà plus où on devait aller. Systech Lobby. Systech Lobby. Alors ça, on dirait que ça va devenir une sorte de hub, donc pourquoi pas, avec différents trucs desservis. Workplace Solutions. Workplace Solutions. J'ai pas un truc qui me dit ce que je dois faire. Rendez-vous à Sexon Communication. Nanana nanana. Ok. Alors c'est où Sexon? J'y suis ou... Tower Link. Ah, Engineering Dex. Habitation Tower. Nana Tower. Service Offline. Bon. On va essayer d'aller par là. On va bien voir ce que ça donne. Système d'accès requis. Vas-y, vas-y, vas-y. Système d'accès requis si tu veux. Y a pas de souci. Donc on commence à nous mettre un petit peu partout des casiers dans lesquels on va pouvoir se cacher. Donc c'est qu'on va devoir commencer à gérer l'alien, hein, je pense très très bientôt. Maintenir pour se cacher. Non, non, je veux pas me cacher. Ça c'est quoi? C'est pas marqué. De la camelote. Bon. Il n'y a rien de ce côté. Donc je dois sûrement partir de l'autre côté. Ah, bonjour. Agent collant. Détecteur. Inventaire plein. Hop. Alors, est-ce que je peux pas synthétiser des trucs pour vider un peu mon inventaire? On va essayer de faire un medikit et inventaire plein, d'accord. Bon, bien tant pis. Tower Link. Ok. Là, ça a l'air d'être ouvert, là aussi. En arrivant de ce côté, il n'y avait rien de spécial. Non. Et du coup, toi, Dorine, tu me disais que tu avais commencé, mais t'es arrivé où? T'es plus loin que moi? T'es un petit peu avant, un petit peu après? Sous-entendu, est-ce qu'il y a moyen que tu me guides si je me perds? Ce qui risque d'arriver très vite. Ah. D'accord. Il y a un petit truc qui s'ouvre. Ok. Est-ce que ça communique? Ah.
Alors c'est formidable, mais on voit rien. Alors si vous voyez rien, c'est normal, moi non plus. Hein. Bon, ça communique, ok. Oh là! L'alien ne voudrait pas avoir la bonne idée de venir les taper. Je sens que comme dans beaucoup de jeux, un peu de ce genre, où on est censé affronter à la fois des ennemis, genre aliens, et des humains, c'est les humains qui vont me poser problème. Avant, et là j'ai arrêté, tu es tout seul. Ah super. Merci, bonsoir. Je suis ravi de le savoir. Hein? Comme dirait l'autre. Merci pour la bonne nouvelle. Hop. Alors j'espère que ça aussi, les alertes sont bien au bon niveau. D'ailleurs, j'ai récupéré des nouveaux sons sur la deckboard. Je m'amuse avec la deckboard, hein. J'enlève des trucs, j'en remets. Bien évidemment, elle est toujours pleine à craquer, hein. Elle est remplie d'imbécilités et de sons à balancer en permanence, dont certains ne serviront certainement jamais parce qu'ils sont trop spécifiques et que je pourrais jamais les placer, quoi. Hein. C'était notamment le cas du fameux Macron de la transcendance, là. Il était impossible à placer, quoi. Il est très drôle, mais il est impossible à placer, le Macron de la transcendance. Donc, du coup. Hop. J'ai récupéré des nouveaux trucs et je me suis fait une nouvelle alerte. Pas une nouvelle alerte de follow, je crois que c'est les raids que j'ai changé. Parce qu'on peut tout définir, donc moi je définis tout, hein, même si ça servira sûrement jamais. Trouver une cellule de données pour réparer la machine, d'accord. Mais oui, j'ai défini des alertes. Wow! Ils nous voient de très très loin. Hein. Ils n'ont pas le temps. Rentre, rentre, dépêche-toi. Voilà. Ils ont pas le temps. Ils déconnent zéro. Donc oui, elles serviront sûrement jamais, mais je me suis fait des alertes host et raid. Et comme un idiot, j'avais mis les deux mêmes en fait pour le host et le raid. Donc, du coup, là j'en ai fait une spécifique pour les raids. Et j'ai laissé celle pour les hosts. Telle qu'elle était. Et celle pour les éventuels raids a changé. Comment on se soigne? Ah oui, c'est comme ça qu'on fait. T'essaies de me mettre dans l'ambiance. Ouais, bah ouais. C'est gentil d'essayer. Parce que c'est vrai que moi, avec le live à gérer, plus le stream deck et tout,
je me rends compte que ça nuit peut-être à l'immersion que je peux avoir dans les jeux. Notamment sur, par exemple, The Last of Us. Hein, ça a sans doute beaucoup joué sur le fait que je sois finalement assez peu touché par le jeu en lui-même. Alors là, il y a quelqu'un. Je peux les maîtriser ou... T'es aveugle toi? Ou alors c'est parce que je suis dans le noir, ils estiment que je suis hyper bien caché? Bioshock-like. Et là ils m'ont vu. T'as leur nom là, oui. Ils étaient aveugles comme ça aussi dans Bioshock, parce que Bioshock 1, ça remonte. Hein. Bioshock 2, je l'ai jamais fait. Bioshock 1, ça remonte. Et Bioshock Infinite, mine de rien, ça commence à remonter aussi, parce que j'ai dû le faire genre en 2013 ou 2014. Waouh! Tu peux courir plus vite? Alors par contre, ils vont vite devenir très chiants en fait s'ils voient d'aussi loin. Ah bah voilà. Voilà. On s'est fait défoncer. Recommencer la sauvegarde actuelle. Bah, sachant que j'avais pas sauvegardé depuis un moment, donc je vais peut-être devoir refaire des trucs. Faut s'accorder du temps d'immersion. Ah bah super, je vais devoir refaire des trucs, d'accord. Oui, bah c'est C'est pour ça que je me dis que par exemple un jeu comme Bioshock 2 que j'aimerais bien faire, je le ferais peut-être pas en stream. Parce que je me rends compte que le stream nuit forcément à l'immersion. Hein. On est sur le chat, on regarde des trucs, on raconte des bêtises. Et au final, on est moyennement concentré sur ce qui se passe. Mais là, je vais avoir du mal à me faire. Je pense que je vais avoir du mal à me faire à ces mécaniques d'infiltration là que ça va me demander, puisque j'arrive pas à bien voir en fait. Donc, wow. Bon alors c'est ça qu'il me faut, donc ça va aller plus vite. Va aller se mettre là, parce que de toute façon il y avait des choses à récupérer en bas, donc tant qu'à faire on va le faire. Hop. Ah, il y avait des trucs à l'accueil aussi à récupérer que j'ai pas récupéré dans des petits coffres comme ça. Bon, c'est pas bien grave. Et du coup, c'est quoi qui me montre ici? C'est un endroit qui m'intéresse ou... C'est où? D'accord, je crois que voir où c'est. On va essayer d'y aller, hop, clac. Alors il y a elle qui est là. Ah, t'es bien embêté, hein? Tu sais plus où je suis. Hein? Elle m'attend là-haut, la saloperie.
veut toujours tout faire en même temps, c'est signe d'intelligence, paraît-il. Ouais, bah, je sais pas. Peut-être. Hein. Peut-être. Je sais que j'ai un... Mais c'est... Alors par contre, elle va me saouler. Elle va me saouler s'il reste là, elle. Mais je sais que moi, je fonctionne assez bizarrement. Hein, que par exemple, pour travailler, il me faut de la musique. Des choses comme ça. C'est très très étrange. Mais si je travaille sans musique, j'ai l'impression de travailler plus lentement. Donc, voire même de travailler moins. Alors que certains, ça va beaucoup les gêner. Moi, j'ai l'impression que ça m'aide à me concentrer. D'au final, avoir quelque chose qui m'occupe les oreilles en plus du reste. Mais c'est sans doute moi qui ai un souci. Hein, Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à faire tout en même temps. Et j'avais un collègue, lui, qui faisait semblant de travailler avec la musique, alors qu'en fait, quand il écoutait de la musique, il bossait pas. Ça, c'était aussi autre chose. En même temps, il bossait jamais. Mais des fois, il se mettait sa musique à fond. Et en fait, c'est que c'est ces moments-là, c'est qu'il travaillait pas. Bon, par contre, ils sont toujours là. Parce que s'ils sont là... Ah. Alors par contre, ils vont me bloquer, là, en fait. Ils vont totalement bloquer ces abrutis. Parce qu'il y en a un, il est bloqué à côté de la porte. Hein, il est collé, il bouge plus. Et là, l'autre, il arrive en plus. Mais même celui qui est collé à côté de la porte, il me gêne, en fait. Ça sent le truc où je vais avoir besoin de recharger la sauvegarde. Parce que sinon, ils vont me bloquer. Alors, on remercie la bande son de me signaler quand... ils arrêtent de me chercher. Mais regardez, mais lui, là, il me gêne, là. Comment je sors, moi? Je savais bien qu'il y avait une couille avec un salaire comme ça. Mais casse-toi. Mais fous-moi le camp. Qu'est-ce que tu veux? La bagarre. Non, mais il me gêne, là. Alors, attendez. Je suis quand même pas me retrouver obligé de gâcher ça. Le jeu. Tu comprends, toi aussi tu fais ça. Dans ton ancien taf, il se vantait toujours de pouvoir faire 10 postes en même temps. Oui, alors ça par contre... c'est pour m'être retrouvé parfois avec des tâches d'un autre poste que le mien à faire. Par contre, c'est jamais très sympa. Moi, j'aime pas, tu vois. Ça, je m'en vanterais pas de dire que je peux occuper ce poste-là aussi. Ce qui n'est pas le cas, parce qu'il y a des tâches de ce poste-là que je suis proprement incapable de faire. Mais je n'irai pas m'en vanter, parce que ce poste-là, j'ai pas envie de l'occuper à plein temps. Mais bon, alors vous êtes partis, ça se passe comment? Ah, ils sont partis déjà, la porte est fermée. Donc c'est qu'ils sont plus en train de camper là. Alors. Ça sert à rien que je m'obstine là, ils sont Keblo là. Ils m'ont repéré, ils sont Keblo. Donc je suis Keblo. Donc, pour la troisième fois, on va refaire les mêmes choses. Cette fois, je vais prendre les choses qu'il y a dans les coffres en bas avant de monter. Voire même, je vais peut-être faire du repérage, puisque de toute façon, ce qui trigger le fait qu'ils reviennent, c'est que j'aille ramasser le petit truc par terre. Mais d'où tu me snipes comme ça? Pourquoi elle m'a touché là, alors que tout à l'heure on avait l'impression que c'était scripté qu'elle fasse n'importe quoi? On saura pas. Je vais repérer, je vais essayer de repérer les lieux tant qu'elle est pas là. De toute façon, elle reviendra que si je ramasse le machin.
Pour essayer de comprendre où je dois aller. Non, ça s'ouvre pas. Hop. On va ramasser ça. Voilà. Tout ça aussi. J'ai tout ramassé? Oui. Alors, Saxon Security. D'accord. Donc on va pas ramasser ça là-bas parce que sinon ça va les faire revenir. Ici, on a ça, d'accord. J'essaie de repérer hein, des fois que j'arrive à trouver où accéder au reroutage. Alors, utiliser le reroutage pour accéder aux systèmes de proximité. Le système partage une alimentation d'électricité limitée. Ah oui, on avait vu ça. Alors. Bon. J'ai mis ça sur la purification de l'air. Ouais, alors qu'est-ce que c'est que ce... C'est quoi ce brouillard de guerre là? Bon, j'ai pas trouvé le système là qui... permettrait de... réparer la petite machine là. Hop, on va aller chercher ce qu'il y a à chercher ici. Oula. Alors attention, je vois un pavé sur le chat. Faut que j'aille lire. Parce que j'ai pas lu depuis tout à l'heure là que je tournais. Hop. Alors, de toute façon, je peux laisser le jeu comme ça. Tu fais ça? Oui, moi aussi, je trouve ça bizarre de se vanter de faire 10 trucs en même temps. Après, ils ont aussi dit qu'ils avaient 6 ans de tech d'avance sur la concurrence tellement ils sont balèzes. T'as fini mon tableau? Ah bah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Faudra que tu m'expliques comment m'en servir, par contre. Parce que je sens que ça va être... Ça, c'est un truc Excel, je comprends pas, moi, en fait. Je peux comprendre énormément de choses. Y compris là, les logiciels de streaming, la deckboard faite avec une pauvre tablette, des choses comme ça. Ça, tout ça, je vais comprendre. Mais alors, tu me mets devant un Excel, je suis vite perdu, en fait. C'est vraiment basique, bah écoute. Je te crois si tu le dis. Ah, ça sert à leur créer des diversions, ça peut-être. Oh là. Et voilà. Ça va vite être chiant là, par contre. Que je...
Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi la différence entre les deux? Non. Commence la macro, t'es contente. Bah tu vois déjà rien qu'avec des histoires de macro, tu me perds moi. Pareil que c'est basique hein, des macros sur Excel, mais alors moi ça m'est arrivé d'en appliquer. Hein. C'est peut-être parce que justement j'en appliquais des extrêmement compliqués, mais j'ai jamais compris le système. Hein. Ah, il y a un truc là. Écoute-moi bien attentivement. Je veux que tu quittes le travail maintenant. Va chercher Claire, prends le chat et rentre à la maison. Il faut qu'on trouve un endroit sûr jusqu'à ce que Sixon envoie un vaisseau. J'ai aperçu le type du hall. Je me souviens plus de son nom. Celui qui a une casquette de baseball sale et une odeur bizarre. Il avait quelque chose dans son manteau. Je crois que c'est un flingue. Il m'a complètement ignoré. Il parlait de notre pote qui est mort là, non? En disant qu'il était bizarre et qu'il puait. Il était balèze en fait, moi je fais des simples. Mais moi je l'avais pas faite, hein, la macro, je l'appliquais, c'est tout. En fait, c'était un export d'une base de données qui devait être surtraitée. Pour être exploitable facilement, parce que sinon c'était. Comprenait rien de ce qui se passait quoi dans le fichier. Du coup, il y avait une macro à appliquer tous les jours dessus. Mais c'était une macro qui avait été faite. Je sais même pas si c'était mon manager qui l'avait faite ou si c'était quelqu'un d'autre. En tout cas, c'était lui qui nous l'avait passée. Et elle me servait juste à ranger les données dans des trucs utilisables, quoi, parce que sinon c'était impossible de savoir ce qu'on devait faire avec ça. On pouvait pas du tout bosser dessus. Et je me suis jamais penché sur comment ça fonctionnait. Tout ce que je savais lui dire, c'est « ta macro, elle fonctionne plus ». Ce qui arrivait de temps en temps. Mais... Non, j'ai jamais rien compris, moi, macro. J'appliquais celle que j'avais à mettre et c'est tout. Tout le reste, ça m'a jamais parlé.
Ou alors. Faut pas que j'oublie que je peux me pencher. Comme ça. Voilà. Ah, il faut peut-être que j'aille par où ils viennent. Ils viennent de là, non? C'est vite dit que je vais pas m'énerver. C'est très vite dit que je ne vais pas m'énerver. Là, très honnêtement, reprendre comme ça en boucle la même sauvegarde sans arriver à comprendre ce que je dois faire. Je dois récupérer une cellule de données. Oui. Où? C'est où ta cellule de données, bordel de jeu. Ça va vite me très vite m'énerver en fait. Hop. Les gars, par ici, il y a quelqu'un ici. Où est-ce qu'elle part? C'est où qu'elle part? Celle-là, c'est... On sait pas, on s'en fout. Parce que moi j'avais comme vague idée peut-être d'aller de là où ils viennent, mais... Mais c'est pas clair quoi. Et je demande pas au jeu de me guider, de me dire absolument ce que je dois faire, etc. Mais là, c'est juste frustrant en fait. D'avoir un jeu où les ennemis te voient finalement assez vite. Mis à part quand t'es devant eux et qu'ils te passent devant. Hein. Je récupère des succès, je fais tellement le même truc en boucle d'aller dans les conduits que ça a dû me déclencher un truc du genre aller dans tant de conduits, sauf que c'est toujours dans le même que je vais. C'est dire à quel point je progresse. Mais là en fait, j'arrive pas à comprendre ce que je suis censé faire. Très clairement, hein, je comprends pas. Accéder à des nouvelles zones, créer des diversions ou trafiquer les systèmes de Sébastopol. D'accord, donc ça crée de la brume. Il fait sûrement qu'on peut se déplacer facilement sans se faire voir, mais en voyant pas grand-chose nous-mêmes non plus. Hein. Ou alors, ah, ça permet peut-être de... Quand on se fait repérer, on met de la fumée dans ce coin-là et il ne nous voit pas dans ce coin-là. D'accord, bon. On va dire que c'est quelque chose comme ça. Alors vas-y, reroute.
qu'il me dit. Changer de salle. Ok. Alors c'est là où mon côté balèze en prend un coup, du coup. C'est-à-dire que je suis pas foutu de travailler sans avoir de la musique en même temps pour me stribuler encore plus. Mais à côté de ça, un truc certainement enfantin, là je suis comme une poule devant un couteau, quoi. C'est, je suis là et je comprends pas et... Et ça va vite m'énerver, très honnêtement, mais... Ceci encore, ça faisait un checkpoint ou un truc comme ça, mais le fait d'avoir à refaire le début de la phase, de devoir récupérer tout ce que j'ai récupéré, ça m'agace en fait. D'avoir à tout refaire à chaque fois que je veux faire un try. Plus elle se traîne le cul, machine, là. Non, éteins la lumière, ça sert à rien. Et je comprends pas où je dois aller après, en fait. C'est... Elle récupère son machin, très bien. Qu'est-ce que je dois faire derrière? Je dois aller où? Bon, on va sauvegarder. Comme ça, on n'aura pas à faire la récupération d'objets, c'est déjà ça. Vas-y Gisèle, sauvegarde, voilà. Ou alors faut que je reparte. Dès que j'ai récupéré le petit machin, je me casse. Je me casse par où je viens. Bon alors je me suis enfui avec mon petit machin. Mais je pense pas qu'il va beaucoup me servir. Engineering Dex. Engineering Dex, ouais. Il faut que je change de zone, peut-être dans une autre zone, ce qui m'intéresse. Ah, j'avais pas fait ça. Ah, j'avais pas fait ça du coup en rechargeant. Hop. Mais si on n'avance pas comme ça, enfin je vais même pas la diffuser la VOD derrière. Parce que là, ça doit faire 25 minutes qu'on est sur. Voire plus. Qu'on est sur rien en fait.
Wow. Ils finissent par venir là donc. Mais là, ça va. Au pire, un petit walkthrough. Bah oui, ça va se finir comme ça. Mais c'est un peu dommage, en fait, de d'être obligé de. D'être obligé, entre guillemets, de tricher. En allant regarder une soluce. Parce que le jeu a fait un choix de. De design qui se respecte, mais là c'est abscon en fait. C'est pas juste. Pas évident, c'est abscon tout court. Donc on va aller voir, oui, hein, ce qu'il faut faire. Je ne voulais pas en arriver à ces extrémités, mais on va être obligé. On va aller chez les amis de jeuxvideo.com. La référence française, n'est-ce pas? Ils doivent bien voir ça. Un walkthrough. Alien Isolation. Isolation. Il est où le jeu? Ah, il est là. Seize sur 20 en test, 17 sur 20 en truc lecteur, très bien. Mission 18, mission 1. Rencontre. Donc là, je suis tombé sur le drone des missions 3, visiblement, rencontre. Après la mission 2 qui vous apprend à rerouter l'énergie et tout, je me souviens pas, c'est pas grave. Ça nous dit de rester baissé parce qu'elle part avertir ses compagnons. Approchez-vous de la porte en face pour récupérer le syntoniseur de données. Oui. Puis montez rapidement les escaliers est en vous cachant sur la gauche dans la foulée. Des survivants un peu remontés vont arriver, mieux vaut les éviter, d'accord. Sitôt qu'ils sont descendus, allez au bout du chemin à l'étage pour atteindre une cage d'escalier à dévaler pour vous mettre en sécurité. Entrez dans la salle de contrôle au bout du couloir pour récupérer un revolver et pouvoir sauvegarder. Récupérer les cartes magnétiques par des formulaires et allez l'utiliser sur la porte à l'arrière. Escalier est. Et se cacher sur la gauche. Et attendre qu'ils descendent, les mecs. Alors attends. Parce que c'est pas clair. Je récupère ça. Là. Je me tourne. Ils sont là-bas. Je vais là. Il faudrait que je me cache où? Là? Je sais pas. Donc si on se cache là, par exemple, on va dire que c'est là. Sitôt qu'ils sont descendus, allez au bout du chemin à l'étage pour atteindre une cage d'escalier à dévaler. Pour vous mettre en sécurité, entrez dans la salle de contrôle au bout du couloir. Ok, bon, ils ont un guide vidéo, on va regarder le guide vidéo parce que leurs explications écrites ne sont pas claires. Je ne sais pas qui a rédigé ça. Mais... merde. Voilà. Il y a un moment. Là, voilà. Alors, il regarde autour de lui. Il ramasse des trucs.
Il lit ce truc-là, très bien. On ramasse ça. Non, il ramasse pas. Non, mais ça, je veux pas. Fous-moi la paix de ça. Mais il est où là? Ah oui, non, c'est un guide pour les unlockables qu'ils ont mis, c'est pas. C'est pas un guide tout court, donc ça me sert à rien. Donc leur solution, elle est pas claire. C'est génial. L'écrit ne marche que pour les RPG, c'est vrai, c'est vrai. Que pour un RPG, on s'y retrouve là, là c'est incompréhensible ce qu'ils expliquent. Ou alors c'est moi qui suis qui ai déjà perdu toute lucidité. Mais Alien Isolation Long Play. Alors, on enlève le son. On se met là. 38 minutes. Là, c'est la rencontre avec machin, le clochard. Là, il est là. Là, il va mourir. Bon, à un moment meurt le Axel. Voilà, là, il est mort. Ok. Donc là, lui, il récupère la petite machine. Il la regarde, la nana raconte sa vie. Il se retourne. Il prend l'escalier tout de suite à gauche. En se baissant. Il place un fumigène pour détourner l'attention. D'accord. Il a placé deux, mais moi j'en ai pas deux, donc c'est bien. Où est-ce qu'il va comme ça? D'accord, il les contourne. Monte l'escalier. Il va là. Il va ici. Donc c'est bien au fond à gauche qu'il faut aller. Visiblement. Donc. Alors faudra voir si je coupe pas ça à la VOD, hein, parce que là. Ah mais elle a un truc pour se défendre. D'accord, elle a un marteau. Ok, parce que là je le voyais dans la VOD donner un coup et je me disais mais avec quoi il tape? On n'a pas d'armes? Alors, on va passer ici.
Bon, alors ici, on a l'air d'être bien. Viens vers moi, lui. Ah non, il s'en va. Elle est partie en bas. On va jeter un œil. Tu rêves? Hors de question que j'aille par là. Elle a pris ton outil de piratage. Il marche pas. On va trouver un autre chemin. Ça fait trop longtemps qu'on est ici. Ok, bon. J'ai pas compris ce que j'avais fait. Comme ça, c'est bien. En tout cas, je me suis bien fait éclater. On s'est fait défoncer. Donc on va se soigner. Paf. Bon, bah j'en ai défoncé un coup de marteau. C'était pas trop le but. Mais j'en ai quand même défoncé un coup de marteau. Ok. Hop. Alors par contre, le perso lui ont donné la possibilité de donner des coups de marteau, mais elle se traîne hein, quand elle tape. Hein. Bon, on va descendre. Là, il y a ça. On explore un peu. On va aller sauvegarder du coup, parce qu'il y a une sauvegarde. Ici.
Paf. Un petit coup. Alors, je vois 57 minutes de VOD, mais en effectif, ça doit faire quoi? 25 minutes? Si on enlève tous les moments où on meurt sans raison. Ouais. Alors là, on vient de là. Ça s'ouvre. Par ici, on sait pas. Là, il y a un autre conduit. Et là, c'est fermé. Bon. Non, on va rentrer. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans la suite? Parce que là, je vais pas me. Lui, il descend. Il descend.
bon sang. La boîte noire. Quoi ? Thank you.
Bonjour, quatre chemins. Mais en fait, depuis tout à l'heure, je parle dans le vide. Ça enregistrait rien. Mogolo! Mogolo, il a pas réactivé son micro. C'est un regrettable accident. Là. Ah mince, je me suis trompé. C'est regrettable, ça m'était pas arrivé depuis longtemps, je crois, hein, le fait d'oublier de réactiver le micro. Enfin, j'ai appuyé et ça l'a pas pris en compte, surtout. C'est surtout ça le problème. Ça doit être ça, là, hop. Et le truc où il y a du gros en bas, c'est ça. Tu te disais aussi, bah oui, là, j'ai complètement... c'est là, d'un coup. Oh là. Bon, on va passer par où il voulait passer. Hop, 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 dépêche-toi. C'est ça. Ça, c'est ça. Et ça, c'est ça, voilà. Allez, au revoir. Vas-y, ouvre la porte, ouvre la porte. Dépêche-toi. Tiens, ouvre celle-là aussi. Ouvre celle-là, ouvre celle-là. Chut.
Bon. Oui, tu te disais aussi. Mais le pire, c'est que j'ai réappuyé, mais comme souvent, ça n'a pas pris en compte. Ça arrive de temps en temps que ça ne le prenne pas. Et j'ai pas vérifié. C'est là d'un coup, en regardant le micro, j'ai vu que j'ai un petit voyant dessus. J'ai vu qu'il clignotait. Donc quand il clignote, c'est qu'il n'est pas actif. Bon, je racontais rien de bien passionnant. Hein. Mais